Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog. Mais aujourd'hui on est mardi, je vous ai pas pris hier. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je suis en train de vous spoiler là. Je vais vous expliquer, en fait hier j'étais... j'ai fait les grosses courses avec ma mère à Chartres et tout. On est parti un peu partout. Je suis rentrée tard, enfin tard, dans l'après-midi. Et du coup, j'ai pas vlogué. Attendez, je vais vous poser. J'ai essayé, hein. Je l'ai dévissé, revissé. J'ai même mis du truc bulle pour que ça fasse plus plouc plouc. Et j'ai même mis de la graisse et tout. Du WD, je sais plus quoi, la 40 trucs machin. Non, ça fait toujours du bruit. Alors, ouais, je vous disais, hier je suis partie à Chartres avec ma mère. Donc j'ai pas pris ma caméra et tout. Je me suis dit non, je vais pas vlogger. On est parti vite fait chez BM, j'ai rien acheté. On est parti chez Action. Je pensais vraiment que le Action de Barjouville allait être blindé en truc de Noël. Et bah pas du tout. Je comprends pas là les Actions. Il n'y a pas tant de trucs nouveaux et tout et tout. Enfin bref. Après j'avais plein de colis chez ma mère et tout ça. J'ai notamment récupéré ma petite palette de Marion Caméléon. Je vais vous montrer tout ça. J'ai été également chez ma tante. J'ai récupéré les trucs de chez BM. Vous savez, je vous ai dit que ma cousine, elle a été tous les trucs BM que je trouvais pas. Attendez, on laisse passer la moto boîte. Tous les trucs BM que je trouvais pas, en fait, elle les avait dans son BM du côté de Tours, Saint-Cyr, je sais pourquoi là. Et d'ailleurs, hier, j'en ai parlé à la nanette de chez BM à Dreux. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait? Enfin, je lui ai demandé s'ils allaient remettre des trucs. Elle m'a dit que non, que tout était là. Et je lui ai dit, mais il manque plein de trucs. Elle me dit, ouais, mais nous, on est un petit BM. Alors que Evreux, ils m'ont dit, mais allez à Dreux, c'est du plus grand BM. Alors je comprenais pas, elle m'a dit bah en fait le BM de Dreux, de Évreux, de Coignères et Mantes-la-Jolie, en fait c'est des petits. Et je savais pas, alors heureusement que j'ai pas été à Coignères ou Mantes-la-Jolie parce que j'aurais été dégoûtée. Donc du coup ma cousine, je vous ai dit qu'elle avait trouvé tout ce que je voulais parce qu'ils ont un immense BM. Donc j'ai été récupérer tout ça chez ma tante hier parce qu'ils sont venus de Tours hier exprès. Enfin pas exprès mais bref, ils sont venus ce week-end donc j'ai été récupérer ça. Je vais vite faire un petit blabla avant d'aller bosser parce que là il est quelle heure? Il est 10h08. Ce matin j'ai déjà fait un try-on sur TikTok. J'arrête pas de TikToker en ce moment. Hey, je vous remets mon TikTok ici. N'hésitez pas à aller voir, j'ai rien sur les dents. Non, ça va. Et ouais, j'ai fait ça. Après je vais aller justement tourner la vidéo BM. Voilà, ça fera le round 2 de déco d'automne de Halloween de chez BM, mais c'est pas bien grave. Qu'est-ce que... J'ai déjà fait mes mails ce matin, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté hier chez Action. Et voilà. Juste deux petites choses encore. Je voulais vraiment, vraiment vous remercier pour votre soutien concernant mon petit coup de gueule de la semaine dernière. Franchement, je vous ai des amours. Je savais que vous auriez compris, hein, de toute façon. Mais c'était vraiment du grand n'importe quoi. Franchement, les gens mais marchent sur la tête. Enfin, c'est un truc de dingue. Je me dis, il y a des gens, ils sont pas nets, quoi. Enfin, bref. Du coup, vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, moi, il y a beaucoup de choses qui me passent au-dessus, clairement. Donc, voilà. Affaire classée avec les gars. On a bien rigolé, en tout cas. Parce qu'ils savent que je les aime d'amour et d'eau fraîche, mes petits chouchous. Et voilà, d'ailleurs, il y a la nouvelle coque qui va sortir, là. Elle est en précommande sur le site de Dolly & Jack, les nouvelles bougies. Ils ont fait deux bougies d'automne, un truc de ouf. Vous retrouvez tout en barre d'infos, mon lien, mon code de pourcentage et tout, de réduction, voilà. Vous retrouvez tout dans la barre d'infos. Et pareil... Enfin, pour tout ce dont je vous parle en général, même les bougies Harmonie d'ailleurs et tout, que j'ai adoré, que vous avez adoré aussi. Donc voilà, ici, c'est vraiment du partage. Et comme me l'a dit si bien Mathieu, donc de Dolly & Jack, de Gars et un chien, vive les influenceurs qui mettent les artisans en avant. Voilà, les petits créateurs et tout ça en avant. Et ouais, franchement, j'avoue que quand je vois ça, ça me fait bien plaisir. Voilà.
Ce week-end aussi, vous avez été nombreux sur le live de Marina, LCO Beauty, dont je vous avais parlé, qu'elle faisait un live vente privée. Voilà, elle a tout explosé. Moi, j'ai pas pu assister, j'étais pas dispo ce week-end, donc du coup, j'ai participé à aucun live ce week-end. Et j'ai pas pu participer à la vente privée, mais c'est pas grave. Entre temps, j'ai eu Marina et tout ça, on a papoté. Et puis, elle a sorti des pépites. Là, il y a plein de trucs. Aujourd'hui, au jour où je vous parle ce soir, enfin, mardi, en tout cas, moi, pour moi, elle remet en ligne les crayons Moira, mais pas que. Elle remet aussi les fards liquides. Plein d'autres trucs, elle a reçu également des muscles intimes et tout ça. Je sais pas si au jour d'aujourd'hui, enfin samedi, pas au jour d'aujourd'hui, si samedi il y aura toujours tout en ligne, mais regardez, normalement les muscles intimes, elle les sort aussi cette semaine, normalement. En tout cas, Moira, c'est sûr. Donc si vous vouliez les crayons gel liner et tout, c'est le moment. Allez-y, foncez, il n'y en aura plus. Et elle a remis les fards liquides. Ça, c'est ce que je porte. Attendez, je vais vous montrer après. Je porte sur les yeux. D'ailleurs, c'est un rouge à lèvres qui vient de chez elle, qu'elle m'a offert, celui-ci. De la marque Ultramo, qu'on ne peut plus trouver sur le site. Mais bref. Les fards liquides, je vais vous montrer. Je me suis maquillée avec, mais j'ai également utilisé la palette de Marion Caméléon. Ah non, franchement. Truc de ouf. J'avais trop peur qu'elle arrive toute cassée et tout ça et tout ça. Elle est arrivée 2 jours après. Moi, j'ai commandé mardi à 18h. Et jeudi matin, ma mère me dit, il y a ta palette qui est arrivée. Alors, elle l'a vite ouverte. Elle m'a dit, oh, elle m'a dit, Marie, un carton avec un papier dedans pour la protéger, c'est tout. Elle l'a ouverte, elle m'a dit, ouf, il n'y avait pas cassé. Oh, j'étais, ah, parce qu'il y en a qui l'ont reçu cassée, malheureusement. Donc, c'est la deuxième en collaboration avec Sephora. Moi, j'ai la première aussi, hein, que j'ai adorée. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Attendez, je vais vous mettre devant la fenêtre. Comme ça, je vais vous montrer tout en détail. Elle est magnifique. Elle est trop, trop belle. Alors, j'ai utilisé celui-ci, là, le charbon, pour faire mon liner. Le tulipe pour faire mon creux de paupière. Et celui-ci, le confetti, vite fait pour mettre par-dessus mon fard liquide de chez Moira. Regardez un petit peu les reflets. Et ça, c'est la teinte Stardom, la teinte 10 Stardom. J'ai mis ça, ça bouge pas. Vous pouvez transpirer, faire du sport, ça ne bouge pas. Et je vais vous montrer du coup mon make-up. Alors, vous pouvez bien sûr mettre le fard Moira tout seul. Moi, au début, je l'avais mis tout seul. Et après, j'avais vu les paillettes sur le site, dans la palette de Marion, donc je me suis dit je vais mettre un petit peu par là, mais sinon regardez le fard Moira comment c'est magnifique. Donc là, oh, je vous spoil encore. Donc là, elle en a reçu plein. Vous allez voir, c'est juste une tuerie intergalactique, ça va être trop trop beau. Et voilà, vous avez toujours mon code de promo pour le site de LCO Beauty de -10%, même sur les nouveautés. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez et c'est à partir de 20 euros d'achat. Voilà, et sur le site, les prix sont mini. Donc voilà, je voulais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté chez Action. Avant, on va faire la parure de la semaine. Celle-ci, je l'avais achetée en 2021 chez Leclerc, comme toujours. Vous pouvez la mettre soit de ce côté ou soit de ce côté, vous voyez, et elle est trop belle. Et là, franchement, en mode terracotta comme ça, c'était trop la période. Je vais éternuer, j'ai un truc qui me... Ça revient régulièrement, vous savez que j'ai eu une sonde nasogastrique pendant longtemps, plusieurs fois en plus. Et du coup, ça m'a complètement irrité toute ma cloison nasale. Et je vais vous parler de croûte. Et en fait, régulièrement, j'ai tout l'intérieur qui se nécrose, mais qui se croûte, l'intérieur de mon nez. Et là, ça, cet été, non, ça, bizarrement, ça ne me l'a pas fait. Mais là, ça revient en force. Donc voilà, je suis contente. Donc je n'arrête pas de faire des... Et c'est bien le côté où j'avais la sonde. Voilà. Donc on va ranger la palette de Marion Caméléon. J'avais déjà la première... La première, la round one,
Je l'avais déjà. Ouais, j'ai fait vraiment... Quand je pense qu'avant, j'avais 3 tiroirs comme ça de palettes. Et que là, j'arrive même à mettre mes palettes teint. Que j'ai encore de la place. Du coup, j'ai mis ça parce que ça prend trop de place, là, les poudres de chez Action. Et voilà. Et je vous montrerai, il me reste encore quelques palettes à vendre sur mon Vinted. Je vous les montrerai courant de la semaine. Parce qu'il me reste, il m'en reste 3 à vendre. Enfin, bref. Je vais vous montrer également ce que j'ai acheté chez Action pour Noël. Je vais vous poser par là. Bon, je viens de vous poser et je vous montre. J'ai pris cette guirlande là. Je l'ai payée 5 euros et quelques, 5,89 je crois. C'est une petite guirlande comme ça avec des sapins. Et elle fait 12 x 15 cm. Il y a 8 sapins dessus. Enfin bref, et dessus vous avez également des petits crochets comme ça en ventouse pour les mettre, pour les accrocher, voilà. Donc j'ai pris ça dans les nouveautés. Franchement, il y avait... J'étais choquée. Bref, ensuite j'ai repris, vous savez, tous les ans je les prends. D'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est les mêmes que l'année dernière. J'en avais déjà pris la dernière fois que je vous avais montré chez Teddy. Ce sont les stickers pour mettre sur les fenêtres. Moi, je mets des stickers à Noël sur toutes mes fenêtres. Donc j'ai pris celle-ci, enfin ce stickers là. Donc chaque truc, hein, c'est un sticker à part. Enfin, vous pouvez le coller comme vous voulez. Donc j'ai pris la maison en pain d'épices. Ça, je l'avais eu l'année dernière, il me semble, la maison en pain d'épices. Et je suis pas sûre en vrai. Enfin bref, regardez, là il y a une boule à neige. Donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci, c'est un nouveau, il me semble. Avec des casse-noisettes. Voilà, ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que 69 centimes chez Action. Et chez Teddy, la planche, je l'ai payé 1 euro moins. Mais bon, c'est pas grave. Ça aussi, c'est un petit nouveau avec plein de Santa. Oh, il y a des lutins aussi. Oh, il y a un petit singe. Bon, il y a même un petit caribou et un pingouin. Non, mais sérieusement, moi, je fonds. Et oui, j'aime beaucoup Noël. Ah là là, franchement. Oh, ils sont tous trop beaux. Ça aussi, c'est un nouveau. Et autant vous dire que ma mère a pris pareil. Oh, il y a un petit biscuit. Ma mère a pris la même chose que moi. Hein. Nous, on est gaga de ça. On en fout partout. Celui-ci, c'est un nouveau aussi. Regardez, Santa. Oh, il y a encore une boule à neige. Rodolphe. Oh non, regardez. Et puis, petit lutin, là. Oh. Ah, celui-ci, je l'avais pris l'année dernière. Trop beau. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez, le tour est en paillettes comme ça. Waouh. Ça, j'adore. Franchement, j'en mets sur toutes mes fenêtres. De la cuisine, du salon, de la chambre, de la pièce YouTube, j'en mets sur tout. Celui-ci aussi, je l'avais eu l'année dernière. Et regardez, là, c'est que des paillettes. Waouh. Trop beau. Trop, trop beau. Franchement, pour les réutiliser, c'est la galère. Faut les laver, faut les passer à l'eau et tout. Enfin bref, donc je les jette malheureusement. Et ça, c'est un nouveau aussi. Oh là là, il y a encore un petit biscuit. Oh non, mais regardez Rodolphe. Rodolphe, il prend son petit café. Enfin, je pense que c'est un chocolat chaud avec cannelle. Oh non. Enfin voilà. Est-ce que je suis gaga de Noël? Oui. Bref, je vais tout de suite vous tourner ma vidéo Round 2 des décos d'automne chez B&M. C'est le festival de la grenouille. Non, de la citrouille. N'importe quoi. Et voilà, je vais vous tourner ça tout de suite. Comme ça, cet après-midi, là, ça va être montage et tout et tout. Enfin, aujourd'hui, je vais commencer. Ce matin, montage. Et voilà. Petite journée qui aura commencé tranquillement. Enfin, voilà. Avec un TikTok. Et n'empêche, un TikTok, ça prend trop de temps. Laisse tomber. J'espère que vous vous êtes abonnés. Nouvelle journée. Aujourd'hui, bah les gars, on n'est pas mercredi. On est jeudi. Hier, j'ai pas pu vous prendre. J'ai fait un milliard de choses. J'étais pas à la maison en plus. Mais là déjà, il est déjà tard parce qu'il est 11h50. Toujours cette chaise. Il est 11h50, je viens de tourner un TikTok, ça m'a pris littéralement plus d'une heure pour... attendez, je vais vous poser parce que je vais blablater comme d'habitude. Qui se souvient de ce sweat que j'ai aussi en orange, que j'avais acheté il y a... Oh, 2018 ou 2017 chez Kiabi. Vous vous souvenez de cette collection-là, mon chaton? Eh ben, je les porte toujours.
Ouais, j'étais en train de faire un TikTok. Je vous invite encore une fois à aller sur mon TikTok. J'arrête pas de vous le dire, mais franchement, c'est un truc de dingue. Je poste des choses que vous verrez ni ici, ni sur Instagram. Franchement, ça demande. Ouh, je commence à un petit peu maîtriser. Enfin, je dis maîtriser, non, à ma façon. Donc, ce matin, je vous ai présenté les gels multichrome liner de chez Moira que vend Marina sur le site d'LCO Beauty, dont j'arrête pas de vous reparler. Elle a fait un réassort, comme je vous ai dit, c'est lundi que je vous ai pris, mardi. Ouh. Bref, elle a fait un réassort de dingue de plein de choses. Donc, elle a rentré plein de gels multichrome, les ombres à paupières liquides. Oh, magnifique, les ombres à paupières liquides. Donc, je voulais tout vous montrer sur TikTok avec les références, les swatchs. Je vous ai tout fait, c'est pour ça que ça m'a pris plus d'une heure. Et elle a rentré encore plein de trucs hier pendant le live. Parce qu'encore une fois, je répète, tous les soirs, elle fait des lives à 21h sur TikTok pour préparer nos commandes, mais également pour nous montrer les nouveautés. Et elle nous a montré des trucs. Oh, rip mon porte-monnaie, là. Franchement, sur son site, elle va rentrer. Là, elle a rentré des gels douches. Des gels douches, je crois que c'est une marque espagnole. Des gels douches au bonbon, au chamallow, à la noix de coco, des trucs de dingue. Ça sent trop bon, mais pas que. Avec, elle a mis les déodorants. Donc, elle a des déodorants stick, billes et... elle a tout rentré. Là, quand je vous parle, elle n'a pas encore rentré les déos, je crois pas. Mais attendez, je vais aller voir sur le site. Et en tout cas, elle a mis les gels douche, ça c'est sûr. Et il lui reste encore de la marque LA Girl. Elle a rentré des ombres à paupières liquides aussi avec des fards qui vont plus ou moins avec. Et pareil, c'est parti ça à une vitesse tellement c'est pas cher. Des trucs multichrome du Turfu. C'est la première fois qu'elle fait rentrer des produits LA Girl. Elle avait envie de tester. Et oh la dinguerie. Alors, elle a rentré des gels douche aussi, toujours la marque espagnole, pour les hommes. Là, vous avez quoi? Fraise, chantilly, bonbon, marshmallow, barbapapa. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et ça, elle rentre également en déo. Et comme je vous ai dit, il va y avoir les muscles qui vont arriver également. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver, les muscles. Grand max la semaine prochaine, je crois. Je suis pas sûre, mais en tout cas, restez au taquet. Donc, ce matin, je voulais faire un TikTok vraiment pour pouvoir présenter tout ça. Hein. Donc, voilà. Comment vous dire? Je vais vous montrer après. Là, j'ai deux gros sacs. En fait, hier, je suis partie chez ma mère. Il y avait ma patate et tout. Du coup, j'ai amené ma mère, ma patate et ma tante chez Action. On a acheté des trucs. Il y avait des travaux chez ma mère et tout ça. Donc, j'ai pas pu vraiment vous prendre. On a fait des TikTok aussi avec ma patate. C'est pour ça que je vous ai dit, mort de rire le TikTok. Ma mère, elle nous filmait. Elle était explosée de rire. On a fait des TikTok, une parodie avec mon neveu. Donc, ma patate. Et pour pas qu'on le voit, on lui a mis un carton sur la tête. Franchement. Ah mais on a fait une parodie de la chanson là, ça tourne en ce moment sur TikTok. Joanne est une femme avec un sac banane. Et nous on dansait comme des nounous, on était là. Et bref, on a rigolé, on a fait TikTok avec Monsieur Sushi aussi. Enfin bref, donc hier on a fait plein de trucs. Je suis rentrée, il était tard, il était presque 20h quand je suis rentrée. J'étais chargée, en plus j'ai dû aller chez Mondial Relais pour vendre des trucs que... Enfin, pour envoyer des trucs que j'ai vendus sur mon Vinted. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite avant que j'oublie. Je vous dis, ça va être du blabla, là. Il me reste 3 palettes à vendre sur mon Vinted. Des belles palettes, hein. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Je sais plus les prix. En tout cas, je me sépare de la Scent & Sinner de KVD, à l'époque, Kat Von D. Je m'en sépare. Je l'ai utilisée très, très peu de fois. De toute façon, je vais vous montrer. Et ça, c'est une collector. Je la vois sur Internet à 90€ des meufs qui la revendent sur eBay, tout ça. Bref, j'ai testé hein, les fards, hein, comme vous pouvez le voir, hein, surtout. Enfin, surtout. J'ai dû les tester une fois. Mais regardez, elle est en parfait état. Et moi, je crois que je l'ai mis à 40, il me semble. De toute façon, vous retrouvez mon Vinted. J'ai utilisé quoi comme fard? J'ai utilisé
Le rapture, le noir, j'ai dû prendre un petit peu pour faire du liner. Ouais, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Mais. Ah ouais, un peu celui-ci. Bref, vous savez quoi? Pour que vous puissiez me voir comme je fais d'habitude, je vais vous le montrer directement avec mon téléphone. Comme ça, je vous montre en même temps que je vous parle. Je vous montre l'état des fards. Vous voyez? C'est juste trop beau. Et puis, franchement, la pigmentation. Mais comme je m'en servais pas, c'est pour ça que j'ai décidé de m'en séparer. Voilà, elle est juste trop trop belle cette palette. Mais voilà. Et vous la trouvez hyper chère. Moi, je trouve que franchement, je la fais pas chère du tout. Voilà. Donc cette fameuse collector que vous trouvez plus du tout. Donc la Scent & Sinner, bon, j'ai plus le paquet, enfin l'emballage. Mais elle est trop belle. Enfin bref, même Marjo me dit, mais pourquoi tu la vends? Ensuite, il y a celle-ci. Pareil, celle-ci, j'ai longtemps hésité. J'en avais deux de chez Amor Us. C'est une marque américaine, Amor Us, une marque US, il y a écrit, qu'avant vous trouviez, enfin que maintenant en France, on ne peut plus du tout trouver. Moi, je l'avais trouvée sur YesStyle, mais maintenant, ils ne la font plus du tout sur YesStyle. C'est une super marque Cruelty Free. J'avais deux palettes, les plus belles. J'avais la Snow Queen. Un petit peu donc en rapport avec la Reine des Neiges. Et j'avais la Nala en rapport avec le Roi Lion. La Nala est partie tout de suite. La Snow Queen, non, mais parce que les gens ne la connaissent pas. Celle-ci, c'est une merveille. Regardez-moi ça. Pareil, je vais vous mettre après avec mon téléphone. Je l'ai utilisée une fois, je crois. Mais pareil, je me suis dit, autant qu'elle parte, elle est... Bref, je vais vous montrer. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. C'est juste trop beau. Ouais, j'ai utilisé les trois fards là. Et les paillettes, c'est ouf. Regardez-moi les paillettes multichrome. C'est trop 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 beau. J'ai hésité. Hein. J'ai hésité à m'en séparer. Mais non, non. Je me suis dit, bon allez Marie, tu t'en sers pas. Franchement, vous savez que j'ai fait un grand tri dans mes palettes. Je garde vraiment les palettes. Voilà, j'ai enlevé tout ce qui était Too Faced, Naked, enfin les Urban Decay, tout ça, j'en veux plus. Make-up Revolution, pareil, j'en veux plus. J'ai vraiment gardé les palettes, voilà, les belles palettes qui me bottent comme ça, qui... Enfin bref, et je me sépare, la troisième, c'est celle de chez Haze Beauty, Beauté, Haze Beauté, la Océanique palette, qui est toute neuve. Voilà, elle est... Trop magnifique, elle est toute neuve celle-ci. Pareil, je crois que celle-ci, je l'ai mise aussi à 30 euros. Franchement, le prix, c'est justifié. Franchement, regardez-moi, elle est toute neuve. Elle est trop, 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 trop belle. Franchement, le prix, ça les vaut largement. Surtout pour des palettes que vous ne pouvez pas retrouver. Ou alors, quand vous retrouvez, vous les payez plus cher que ça. Donc voilà. Parce que franchement, la Amor Us, je pensais qu'elle allait partir beaucoup plus vite. Mais non, mais je pense que c'est une marque que les gens connaissent très très peu, comme on l'a pas en France. Enfin, voilà quoi! Et j'ai plein de boulot à faire aujourd'hui. C'est pour ça que depuis ce matin, j'arrête pas. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. C'est que du Noël. Comment dire? J'ai acheté aussi des trucs chez ma mère. Franchement, on vous a pas fait un retour avec Patate et ma mère et ma tante aussi, parce qu'elle avait aussi acheté des trucs. On vous a pas fait un retour parce que, comme je vous ai dit, on a vraiment, vraiment pas eu le temps. Mais ma mère, elle a pris d'autres choses et tout. Enfin bref, trop mims. Déjà, je me suis pris un sac comme ça. Tous les ans, j'en prends. C'est une hotte. C'est un sac cadeau de Noël. Ils appellent ça, c'est gros, hein, parce que ça fait 90 sur 60. C'est... un sac pour mettre les cadeaux de Noël en fait. C'est la hotte du Père Noël, voilà, j'arrive plus à parler. Donc j'ai pris ça. Ça coûtait pas cher. Donc voilà. Tous les ans ils sortent chez Action. Ils sortent plusieurs couleurs. Donc voilà, moi j'ai pris avec Rodolphe. Il est trop trop beau. Et puis son nez, il est tout pailleté. Voilà. Je vous parlais des fameux transferts là sur les vitres. Je vous avais dit que je n'avais pas pris le sapin. Et bien ça y est, j'ai pris le sapin. Parce que ma mère l'avait pris pour elle. Non, je ne sais pas si je vous l'ai dit mardi. Ma mère l'a pris. Mais arrivée chez elle, enfin, quand on a déballé et tout, je dis, mais pourquoi je ne l'ai pas pris?
Donc voilà, c'est bon, je l'ai pris. L'année dernière, je l'avais pris aussi, celui-ci. Il est trop beau. Et je sais pas si vous verrez, là, les... Ouais, bref, ça brille. J'ai pris plein de papiers cadeaux. Je vous en ai sorti que un de chaque, parce que j'en ai pris... je les ai pris par deux, trois, les papiers. J'ai pris celui-ci, qui est doré comme ça, et... enfin, non, argenté et noir. Voilà, ça, c'est pour... je peux vous le dire. C'est pour la box d'automne qu'on va se faire avec Nani, qui va arriver très très bientôt. Notre swap, vous savez qu'on se fait tous les 2-3 mois. Je voulais un papier un peu thème Halloween et tout. Et je trouvais pas. Je voulais, au pire, je me suis dit un papier noir. Et ben non, je trouvais pas. Et en fait, je suis tombée sur ça. Alors, à la base, j'avais pris celui-ci. Qui est un peu automnal et tout. Mais je voulais que ça fasse vraiment Halloween, vous voyez. Donc, j'ai pris celui-ci, toujours chez Action. Et finalement, ça, non, je vais m'en servir pour autre chose. Et je me suis dit, non, mais en fait, celui-ci, avec un ruban rouge, ça fait un peu effet Beetlejuice, vous savez. Pourquoi pas? Oh, de toute façon, on s'en fout. Et ils ont ressorti plein de papiers pour Noël, donc j'ai repris ça, je trouvais trop mims. Voilà, il y en avait plein, ma mère, elle en a pris d'autres, ma tante aussi. Enfin bref, et du coup, j'ai repris des petits rubans comme ça. Et puis, j'avais plus de rouge, donc ça tombe bien. Il y en a un ici. Et ça, je m'en sers tout le temps, tout le temps. Voilà. Ensuite, ma mère, elle me dit, pourquoi t'as pris ça? C'est moche. J'ai dit, non, je l'aime, moi. Il s'appelle Joe. J'ai pris ce petit nounours comme ça pour mettre dans le sapin. Non, mais je le trouvais tout doux. Ça fait un peu canadien, même si ça fait pas canadien. Mais je le trouvais tout doux, comme sur mon arbre de Noël. Il va vraiment y avoir de tout, il y a toutes les couleurs et tout, il y a des petits biscuits, des machins. Je dis, tiens, je veux le mettre lui, il s'appelle Joe, maintenant je l'ai appelé Joe. Et j'ai acheté également ceci, c'est une boîte à musique, et trop ouf en fait. Bon, attendez, je vais, voilà. Donc ça, je l'ai pris, ma mère aussi elle l'a prise. Et ma mère s'est pris également des petits... vous savez que tous les ans, elle fait... c'est bon, tu t'es? Vous savez que tous les ans, elle fait son village de Noël avec tous les trucs que vous trouvez, les trucs qui s'allument et tout chez Action. Entre autres, parce que vous en trouvez des hyper chers dans les jardineries et tout ça, sur l'Internet. Et... sur l'Internet, hein. Bref, et du coup, elle en a retrouvé d'autres là chez Action. Encore des nouveaux, tous les ans, elles en sortent des nouveaux. Et... bah, elle a pris ça. C'est trop, trop, trop beau. Enfin, bref. Je vous disais que j'avais énormément de boulot aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être journée tournage. J'ai 2 vidéos à tourner. Je sais pas si je vais tourner les 2 aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai 2 try-on à faire. Parce que regardez ce que j'ai ramené de chez ma mère. C'est un truc de ouf. J'ai reçu un nouveau colis Shein et également un colis Cupshe. Et pour une fois... c'est pas des maillots de bain chez Cupshe parce qu'ils ont aussi des vêtements. Donc là, je vais faire la partie try-on des deux. La partie essayage, ça va me prendre au moins 2 heures, je pense. J'espère que je vais pas trop avoir chaud parce que je me suis maquillée et tout pour faire le TikTok avec les produits LCO. Mais oui, mais attendez, je vous montre quand même. Regardez les gel liner multichrome. En haut, j'ai utilisé le 5 et le flair. Et en bas, en ratil toujours, j'ai utilisé le 6, le Nova. Regardez comment c'est trop beau. Cet effet multichrome là. Waouh. Donc, voilà, je vous ai dit, j'ai du boulot. C'est pour vous dire, aujourd'hui, j'ai mis un legging. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais faire ça. Je vais sortir le trépied. Je vais ranger tout ça. Voilà, mon Vinted, vous le retrouvez toujours en barre d'infos. Et let's go, parce qu'on a du boulot. Je vous ai dit, je vais en avoir pour un petit bout de temps. Donc, il va falloir bosser. Et hop, je suis en train de regarder. Bah oui, en plus je vous ai même pas dit. Oh, je pensais qu'elle était là. Tout à l'heure, elle était en train de dormir. Mina, elle était en train de dormir sur le fauteuil. Je sais pas où elle s'est barrée. Je suis allée hier chez le veto parce que mademoiselle Mina a pécho des verres. Je sais pas comment elle a... En fait, j'ai vu un verre. Et ma mère me dit, est-ce que t'as bien vu un verre? Parce que j'en ai jamais revu d'autres. J'ai regardé dans sa litière et tout, les endroits où elle couche et tout ça. J'ai pas vu d'autres verres, donc le veto m'a dit, même si elle sort pas, elle peut avoir attrapé des verres. Ah, elle est là, regardez. Coucou, maman. Mon amour. Oh, t'es trop fatiguée, toi. Elle peut choper des verres
dans sa nourriture et tout ça, ça arrive. Et nous aussi, on est porteurs, comme on sort et tout ça, donc je peux lui ramener. Et mais c'est vrai qu'elle avait, elle a été chez ma mère, il y a un mois de ça, elle a été chez ma mère et tout, donc ça se trouve, Sushi avait des trucs. Sushi, lui, il est traité pour les vers et les puces et tout ça. Elle, de temps en temps, quand je sais qu'elle va rester longtemps chez ma mère et tout, je la traite pour les puces et tout, mais c'est vrai que je la vermifuge quasiment jamais. Donc bah là j'ai été hier, bah du coup j'ai pris pour Sushi et pour elle. Pourtant Sushi ça va, Sushi il a pas de puce, pas de verre, rien. En même temps il est traité tous les mois. Et bah voilà, donc j'ai été chez le veto pour la mine aussi. Enfin bref, c'est pour ça que je vous ai dit, on n'a pas arrêté. Ma mère elle nous a fait un bon petit plat hier midi. On était avec mon oncle, ma tante, mon neveu, ma mère, moi. Voilà. Donc voilà, allez go, parce que comme je vous ai dit, il y a du taf. Et j'aimerais aussi refaire mes ongles parce que aïe aïe aïe. En fait, je vous ai dit, j'avais mis ces capsules là qui sont super belles, franchement, qui tiennent de ouf. Ça fait plus de 2 semaines que je les ai, je crois. Je sais plus. Je les ai mis, ça vient du site Timou. Et en fait, donc c'est des pressons, hein, vous savez, avec les petites pastilles collantes derrière. Donc ça tient de ouf chez moi. Mais regardez comment ça vieillit mal, les paillettes. Il y avait des French sur tous les bouts de doigts. Et regardez, vous voyez, ça vieillit trop trop mal. Et puis de toute façon, il y a de la repousse de ouf. Je commence à me prendre les cheveux dedans quand je me fais mon shampoing. Donc je pense que je referai ça. Enfin bref, bon, je vous laisse pour le moment. Je range, je fais les choyens, je tourne une vidéo, déjà la Chine, et puis voilà. Nouvelle journée. Ouais, on est vendredi, j'allais dire vendredi. On est vendredi, c'est le dernier jour, là il est 9h et quelques. Je vous prends pour clôturer le vlog. Je voulais vous montrer d'abord. J'ai complètement oublié de vous le dire. Oui, ça y est. On a passé les 24 000 abonnés sur YouTube, c'est trop top. Merci beaucoup, franchement ça fait un peu plus d'une semaine, mais j'ai oublié de vous le dire et puis j'attendais que ce soit bien... Ah, mon téléphone sonne. J'attendais que ce soit bien ancré. J'ai la tête qui tourne. J'ai... toujours ce contre-jour, bon, c'est pas grave. Je dors trop mal en ce moment. Bon, je sais qu'il y a une pleine lune. Mais j'ai fait des rhinites allergiques, ça saoule. Mais que la nuit. J'ai le nez qui gratouille, mais ça va en journée. Mais la nuit, ça coule, j'éternue. C'est complètement allergique. Enfin bref, je pense qu'on est beaucoup en ce moment en mode rhinite allergique. Donc, programme de la journée. Déjà hier, j'ai carburé. Oh là là, hier j'ai fait le travail de 3 personnes, je crois. Non, faut peut-être pas abuser. Mais ouais, j'ai bossé, j'en pouvais plus, j'avais la tête, elle allait exploser, parce que vous savez que je fais beaucoup de migraines. Donc j'ai stoppé après l'ordinateur, parce que j'en pouvais plus. Donc j'ai fait 2 try-on, une vidéo, un montage vidéo, un TikTok, ça m'a duré plus d'une heure. Donc voilà, et le vlog, allez, c'est tombé, hein. Franchement, j'en pouvais plus. D'ailleurs, j'ai changé mes ongles hier soir, pendant que je regardais le live de Marina. Ces petites capsules, je les ai achetées chez Action. Et après, derrière, je suis juste venue mettre le patch. Donc voilà, je dis tiens, ça change. Avec des petits cœurs. Voilà, ils sont pas très longs. C'est très très bien. Par contre, ils sont pas encore faits. Ça se voit parce que j'arrête pas de me griffer. Surtout que quand j'arrêtais pas de me moucher, j'arrêtais pas de me griffer le pif. Je faisais ça hier pendant que j'étais sur le live de Marina. Vous savez, de LCO Beauty dont je vous parle. Tout le temps, encore hier, avant-hier, la semaine dernière, il y a un mois, enfin bref. Juste pour rappel, avant de clôturer le vlog, ce dimanche, c'est les 1 an du site internet LCO Beauty, donc du site de Marina. C'est les 1 an, je vous ai dit qu'il y avait une grande tombola qui avait été organisée. Vous pouvez encore prendre des billets, elle en a rajouté parce que les 30 avaient été vendus. Mais elle en a rajouté et tout ça, donc dans les tombolas, enfin dimanche en fait, il va y avoir un live sur TikTok à 14h. Il va y avoir le tirage de la tombola. Le tombola, il y aura des bons d'achat à gagner. Elle va mettre des petits cadeaux aussi en jeu et tout. Il va y avoir pendant le live un très grosse réduction sur le site. Ouais, vous allez voir, c'est pas des ventes privées et tout, donc vous allez voir et tout ça. C'est de la folie.
Donc rendez-vous à 14h sur le live dimanche. Et si vous n'avez pas encore vos billets de tombola, n'hésitez pas, ils sont à 5€. Vous pouvez en prendre plusieurs, moi j'en ai pris 2. Et voilà, ça va être de la folie. Franchement, j'ai trop hâte d'être sur le live pour fêter les 1 an. Ça va être trop trop bien. Donc il y aura plein de réductions et tout sur le site. Vous allez voir, elle va tout vous expliquer. Et c'est juste dingue. Donc voilà ce que je voulais vous dire. De toute façon, vous retrouvez tout dans la barre d'infos. Hein, je vous ai dit pour Marina, quand je vous parle de mon Vinted, de mon TikTok, de mon machin, vous retrouvez tout. Le code promo pour Dolly & Jack, pour Harmony Bougie, pour LCO Beauty. Enfin, pour tout le monde, tous ceux avec lesquels je travaille, pour Nox. Vous retrouvez toujours tout dans la barre d'infos. Impossible Candle aussi. Donc voilà. Je vais vous laisser ici parce que je me dis, aujourd'hui j'ai pas envie de passer la journée devant l'ordinateur. Là je vais l'allumer parce qu'il est 9h et quelques, je vais l'allumer, je vais finir le vlog, cette partie-là, faire la miniature, j'ai les yeux qui pleurent, faire la miniature et faire mes mails, voilà. Ça a été un vlog un peu décousu cette semaine, mais c'est pas grave, on peut pas tous les jours, enfin toutes les semaines avoir des vlogs de 1h. Et tant mieux, même s'il est déjà assez long, je trouve. Donc voilà. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, je ne vais pas m'inventer une vie. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mmh.